Voilà, bonjour chers bien-aimés dans le Seigneur. Que la main de Dieu, qui surpasse l'or et l'argent, vous soit au secours. Voilà, qu'elle vous soutienne. Juste pour te rappeler que ce vendredi, nous avons la grande nuit des flammes, ce vendredi 17 septembre, à partir de 21h, ici à Yaoundé, au niveau de la Bire. Vous savez que c'est le mois de septembre et c'est le mois de consécration de nos familles et des enfants à l'Éternel. Donc je vous exhorte, chers parents, à ne point laisser vos enfants à la maison ce vendredi, parce que ce sera une nuit exceptionnelle et spéciale. C'est une nuit spéciale de consécration de nos familles et de nos enfants à l'Éternel pour cette rentrée scolaire. Je pense que les mesures spirituelles et prophétiques qui ont été prises cette année n'ont jamais été prises auparavant au niveau de notre ministère. Donc, nous bénissons le nom du Seigneur Jésus pour l'esprit d'obéissance qu'il vous a accordé. Je voudrais tout simplement vous rassurer que cette année sera différente dans nos familles et dans la vie de nos enfants. Chacun expérimentera Dieu d'une autre manière. Donc, ne manquez pas ce vendredi 17 septembre avec toute ta famille, s'il te plaît. Mets tes moyens en jeu pour être présent à cette nuit de flamme avec toute ta famille. Pour le reste, tu découvriras sur place ce que notre Dieu a prévu pour nous. Chacun avec sa bouteille d'eau. Viens avec ta bouteille d'eau de ta maison. Donne à tes enfants et chacun une bouteille d'eau en main. Viens avec cela ce vendredi. C'est la première nuit de flamme où je demande aux gens de venir avec des bouteilles d'eau. Juste pour vous montrer la pertinence des choses qui vont se passer pendant cette nuit. Ça ne sera pas une nuit de prière, ça sera une nuit de rencontre avec Jésus-Christ. Une nuit de la rencontre avec la nouvelle saison de votre vie. Dans tous les cas, quelque chose de spécial se prépare. Nous bénissons Dieu pour les populations de Berthois qui se sont mobilisées de manière extraordinaire. Et maintenant, nous sommes à Yaoundé et nous bénissons le Seigneur pour Yaoundé qui sera mobilisé ce vendredi. Et ce dimanche, à partir de 7h30, nous aurons un grand culte toujours de consécration familiale et des enfants. À l'Éternel, je vais imposer les mains à tous nos enfants qui sont à la mamelle, à ceux qui sont à la crèche, ceux qui sont au primaire, ceux qui sont à l'université, au collège, etc. Et le soir, à partir de 16h, ce sera à Berthois. Mais le culte ne se tiendra point à l'ancienne, et c'est au quartier Mokolo 1, non. Mais le culte se tiendra après Bonish là-bas, dans le site de l'église. Voilà, nous sommes fiers de savoir que ce dimanche, nous nous retrouverons de ce côté là-bas. Donc, comme tu viens, que le Seigneur te bénisse. Nous attendons toute la ville de Berthois. C'est le premier culte dans le site de l'église. Ça veut dire que ceux qui participeront à ce culte, leurs noms seront inscrits dans le panthéon de ceux qui ont été le fondement même de l'église de Dieu à Berthois. Donc, bats-toi pour être présent ce dimanche 19 à Berthois et à Bonis, après Bonis, la route qui va à Belabo, après la deuxième barrière. L'église est juste là, à quelques mètres de la route du Goudron. Que Dieu te bénisse pendant que tu viens, au nom précieux souverain de Jésus-Christ. Amen. Il faut dire à Berthois, ce dimanche 19, c'est le culte des familles. Donc chacun doit venir avec toute sa famille. Chacun avec son offrande de connexion familiale, de consécration familiale à l'Éternel. L'eau ouinte sera disponible pour tout le monde. L'eau ouinte sera disponible pour tout le monde. Et on va prier pour tous ceux qui ont des cas difficiles. Donc tu es à Berthois, tu m'écoutes, tu as un cas difficile et tu as besoin de la prière. Ce dimanche 19, ne manque pas à Bonis. Que Dieu te bénisse au nom précieux de Jésus-Christ. Amen.